voici ici au Gros du Roi où viennent de se dérouler les Jeux nationaux sport adapté jeunes. Il s'agit d'une manifestation sportive nationale non compétitive. Cette rencontre s'adresse à des jeunes en situation de handicap mental ou psychique et qui n'ont pas les capacités de rentrer dans une logique compétitive ou ne le souhaitent pas. Les jeunes qui viennent sur les Jeux nationaux sont licenciés essentiellement sur des associations sportives dépendantes d'établissements. Cette manifestation, elle est non compétitive dans le sens où elle ne délivre pas de titre de championnat de France, il n'y a pas de classement, mais l'idée de challenge sportif est importante. Nous, on est vraiment sur l'idée de participation commune. Sur l'atelier propulsion, on va fonctionner en relais. Vous allez voir, certains d'entre vous vont faire du kayak, d'autres vont faire un atelier sur terre. L'objectif du programme Je joue et des Jeux nationaux sont de faire découvrir en fait différentes familles d'activités aux jeunes qui participent. L'objectif, c'est vraiment que ce soit le plus accessible possible pour tous les jeunes qui y participent et valoriser leurs capacités et qu'ils soient bien sûr réussis. Donc on est vraiment sur des idées de cohésion de groupe, de fair play, d'entraide. C'est ludique, c'est coloré, c'est animé, c'est visuel. Il me semble très enrichissant de participer à un tel événement, que ce soit aussi bien pour les jeunes que pour les accompagnateurs, les éducateurs, parce que je trouve que voilà, il y a tout un travail qui peut être mené avant la rencontre, qui peut être mené pendant ces trois temps en fait, de Jeux nationaux, et après. Dans ce sens-là, c'est vraiment très enrichissant pour tout le groupe. Bien sûr, au niveau de la fédération et de la commission sport adapté jeunes, c'est que cette offre de pratique perdure et qu'il y ait vraiment sur chaque saison sportive un temps fort.